Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va tester, et non, c'est pas le Mercure Futur, c'est le Q-Shave imitation Mercure Futur. On va tester tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, alors pour ceux qui connaissent pas le Mercure Futur, le Q-Shave, en fait, il est vraiment identique. Donc pareil, le couvercle, on l'enlève. Vous voyez, à l'intérieur, c'est fait exactement pareil. Il y a juste une différence, peut-être, c'est au niveau des chiffres. Là, je ne sais pas si on le voit. Où c'est imprimé, non pas gravé, comme sur le Mercure Futur. Voilà. Ok. Allez, c'est parti pour le rasage. Donc, j'ai mis une lame d'Orco dedans. Et au niveau du numéro, j'ai mis à 0,5 parce que je trouve que c'est un rasoir très très agressif. Donc déjà, 0,5, je trouve ça pas mal. Allez, on y va. C'est un rasoir qui fait beaucoup de bruit, je l'entends assez fort. Et ça fait un très bon premier, une très bonne première passe. À présent, c'est incroyable le bruit que ça fait. On dit que c'est un rasoir qui chante, qui aime bien chanter. Je sais pas si de votre côté vous l'entendez. Franchement, j'ai jamais testé le Mercure Futur, mais s'il est comme celui-là, c'est vraiment la classe. C'est marrant parce qu'on sent la lame, mais j'ai pas l'impression qu'elle nous agresse en fait.
Voilà pour ces premières passes. Franchement, très bon résultat pour une première passe. Je me rince le visage et je reviens. Ok, allez, une deuxième passe à contresens du poil, rien que pour vous. Comme ça, on va voir comment ça donne dans l'autre sens. Première passe, rien à dire. Deuxième passe, ah, on va voir. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça va bien. Franchement, très bon rasoir. Juste peut-être, je trouve un petit inconvénient au niveau du manche. Comme il est tout lisse, il a tendance un peu à glisser, je trouve. Mais sinon, rien à dire, ça marche très bien. Il a un poids assez lourd. Il doit peser une bonne centaine de grammes, je pense. Voilà pour la deuxième passe. Voilà, alors, petit bilan de ce rasoir. Franchement, très bon rasage de très près. Écoute, il est réputé comme étant agressif, mais moi je l'ai trouvé relativement agréable, pas trop justement agressif. Après, je pense aussi que ça dépend des lames qu'on met dedans. Si on met des lames, je pense, comme des feeders ou bien des trucs comme ça, je pense que on risque d'avoir quelques coupures. Là, j'ai mis aussi le rapport le plus bas. Mais un de ces quatre, dans les vidéos expérience, je vais faire sûrement un truc où je vais le mettre au maximum d'ouverture, maximum d'agressivité, pour voir la différence. On va bien se marrer, je pense, ce jour-là.
Ok, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, lâche un commentaire si ça te fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout partage ma vidéo. Allez, salut!